Pour la troisième semaine consécutive, le phénomène Pi a tout emporté sur son passage. Après avoir réuni 11,5 millions de téléspectateurs en moyenne sur les deux premiers épisodes, un record d'audience depuis 2005 et la diffusion de la série Dolmen avec Ingrid Chauvin, note de la rédaction, la série diffusée sur TF1, a convaincu 9,17 millions de personnes en moyenne selon Médiamétrie. Un véritable carton pour les aventures de Morgan Alvaro, qui aura droit à un second volet comme l'a mentionné Anne Viard, directrice artistique de la fiction chez TF1 au Parisien. D'ailleurs, pour cette nouvelle fiction, la comédienne avait raconté, à nos confrères de La Voix du Nord, comment le rôle personnage l'avait convaincue. C'est la première fois que j'arrive aussi en amont sur un personnage. J'ai lu un premier projet qui ne m'enthousiasmait pas mais le personnage m'est resté, avait-elle déclaré avant d'en dire davantage sur son implication. J'ai demandé à participer à l'écriture, je participe aux versions 3, j'ai beaucoup de place pour l'impro, l'humour, les dialogues, je pouvais être plus active que sur un scénario bouclé que je reçois en bout de chaîne et c'est un moment de ma vie où j'avais envie de ça. Sauf qu'aujourd'hui, ces propos ont fait réagir Nicolas Jean, le créateur de la série. Si vous l'écoutez, elle a tout fait, on ne sait même pas à quoi on a servi ni ce qu'on a foutu pendant 2 ans, a-t-il lâché à Point Pop avant de poursuivre en disant, mais je ne lui en veux pas. Quand on choisit d'être comédien, c'est parce qu'on aime être dans la lumière. Ce n'est pas la première fois qu'on me l'a fait celle-là, et sûrement pas la dernière. Alice Chégaray-Bregnaud, l'une des scénaristes a eu un discours plus nuancé, bien sûr qu'elle apporte des choses. On en discute toujours ensemble. L'essentiel, c'est que la part d'improvisation ne nuise pas à la fluidité et à la compréhension des intrigues et des enquêtes que l'on raconte. Le 20 mai prochain, la première chaîne proposera les 2 derniers épisodes de la série. Point à voir également, exclu vidéo, Camille Chamou évoque le pole dance délirant d'Audrey Fleurot dans Les Gazelles. La rédaction à lire aussi Adblock Test.